présidentielle de 2020 s'annonce très disputée en Côte d'Ivoire. Ahmed Kofi Zahour, acteur de la société civile, annonce son intention de briguer la magistrature suprême. Acteur clé de la société civile, Ahmed Kofi Zahour veut aller à la conquête du pouvoir d'État en octobre 2020. Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, l'homme a annoncé officiellement sa candidature à la succession du président Alassane Ouattara. En effet, le président du mouvement Agir pour la Côte d'Ivoire se présente comme une alternative crédible aux problèmes socio-économiques de ses concitoyens. Face aux grands défis qui se dressent devant notre nation, nous nous sommes engagés à ne pas rester indifférents. Cela nous a conduit à écouter nos compatriotes, qui qu'ils soient, où qu'ils soient, au regard des nombreuses demandes retentissantes, ça et là, j'ai décidé de m'engager au service de la Côte d'Ivoire en me présentant comme candidat à la magistrature suprême aux élections présidentielles de 2020, a déclaré le candidat dans son oral. En déclarant sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020, Ahmed Kofi Zahour se joint donc à la courte liste constituée par Mamadou Koulibaly et Guillaume Soro, deux anciens présidents de l'Assemblée nationale ivoirienne. Ils sont désormais trois candidats officiels en lice pour le scrutin qui aura lieu dans 10 mois. Cette élection marquera sans doute un tournant dans l'histoire politique ivoirienne. Le président sortant Alassane Ouattara entretient toujours un flou sur un probable troisième mandat.